les blogs toutes ces et vidéos partout pendant 30 jours. Salut tout le monde, la journée à Portland, elle commence trop bien. Je vais vous montrer pourquoi. C'est qui le crétin qui vient de rayer la jante de la voiture? C'est moi. Et ça fait grave plaisir quand t'es en location et que tu sais que tu vas te faire douiller. Bon bref, nous on va au supermarché de Portland. Au supermarché? Quoi? C'est quoi? Au marché couvert. Bon bref, à toutes. Les plus connus des États-Unis et on a pris une petite boîte qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc en fait tu fais la queue devant tellement c'est connu, il y a un petit film, mais voilà, Dieu m'a sa petite boîte. Thank you, bye. Au revoir. Ok, on a pris notre boîte et voilà. Et voilà, la seule activité de la journée. En gros, je vous explique, on est venu sur Portland, on avait de grosses attentes avec Portland en mode good vibe, un peu comme Strasbourg, good vibe, tout petit. Mais réservé 3 nuits. Et en fait, on arrive déjà ce dimanche, donc beaucoup de choses qui sont fermées. Il y a que des SF, mais genre partout. Et je sais pas, genre ils sont là, soit on dirait ils sont en moitié mort, soit ils sont en train de voir se battre, en train de se vouloir entre eux. C'est vraiment genre Walking Dead. Même les locaux. On a demandé à plusieurs personnes travaillant dans les magasins de nous expliquer un peu, de nous dire quoi faire. Ils nous ont dit que c'était littéralement mort, qu'il n'y avait rien à faire, que c'était pas très sécure. Voilà, voilà. Voilà quoi. Ouais. Donc... Ça fait plaisir. Et on a 3 jours là et on a encore 2 jours au retour. Donc en tout, on a 5 jours. Yes. Il y a une heure à Clara, je sais quoi, bien on prend un billet, on va à New York. Mais on va pas le faire parce qu'on va trouver une alternative. C'est ça, on va trouver quelque chose. En tout cas, on a hâte de tester les donuts, donc on se retrouve après pour la dégustation en live à la maison. Et en attendant, on va voir ce qui se passe. Donc là, on est enfin rentré à la maison, se poser. Parce que clairement, moi, je suis en train de déprimer, là. Et Clara, maintenant, elle est venue, là, pour négocier, pour aller... Pour faire une activité. Arrête, Joël, elle me fait ça en mode activité, alors qu'en vrai, elle veut faire une machine. Elle veut laver les vêtements. Regardez. Regardez, elle me vend ça en mode, non, mais regarde, on dirait un Apple Store. Non, mais c'est trop cool. C'est moderne, il y a des banquettes, ça sent bon le savon. Tu vois pas, elle me vend ça comme... Elle a osé me dire, c'est comme un Apple Store. Mais vas-y, mais va là-bas. Vas-y, ouvre, montre-nous les donuts. Avec tes jambes de coq, là. On va t'appeler Booba. Mais, elle a pas compris qu'on me laissait tranquille aujourd'hui. Hein. Ah, ok, voilà. C'est... Booba, c'est vrai. La boîte se présente comme ceci. C'est parti. Oh, wow. Ça, c'est mon préféré. Ça, il s'appelle le Homer. Celui-là, dessous, là, c'est le classique. Ça, Guillaume l'a pris en plus. Le blanc, là, il y avait quoi dedans? Je crois de la confiture de framboise. Ok. Et ça, c'est fourré au chocolat. Je vous fais une dégustation en direct live. Ok. C'est un bout de pain d'épices. Il a été fait il y a 3 jours ou quoi? Clairement, 6 sur 10. Ensuite, celui que Guillaume a choisi, là. Ce gros pavé, là, fait clairement 3,5 kg. Ça a le goût des petits oursons à la fraise. Oh, c'est infect. Ah! Faut pas être diabétique, hein. Ensuite, le Homer. Comment tu fais pour avaler tout ça? Le donut c'est meilleur, le glaçage ça change rien de l'autre. Mais qu'on se le dise, Guillaume il a pas la teneur en sucre que moi j'ai. Donc son corps il faiblit vite. Donc là c'est quoi? Attends mais tu vas trop vite là. Ouais j'ai même pas le temps d'avaler, je me tape des trucs. En slowly, comment tu fais pour manger tout ça? Il y a du sucre! Apparemment, si je mange trop de donuts, je deviens comme Dewey dans l'épisode de Malcolm où on le retrouve dans un buisson en train de manger plein de sucreries. Il fait. La ref est pas mal. Ça, là, mais la ref elle est pas mal de ouf! Bon, ok. Le classique, juste le sucre comme ça. Simple, elle fait grosse. 8. Tiens, croque. Joli pour moi, il est bon. C'est moins sucré. Ouais. Reste le dernier là. Clairement, un truc comme ça. Genre là. Un missile. Et celui-ci, normalement, il est fourré au chocolat. J'espère que j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Il est pas fourré. Et c'est le goût du chocolat industriel, là, comme ça. 5. Il est pas fourré. La dame a menti. Mais avec crème. Ah bon? Ah ouais, moi, j'avais dit fourré au chocolat. Elle m'a dit, ouais, mais en fait, je crois que je savais... Je sais pas comment dire fourré au chocolat. Oh non. Bon, bah, tant pis. Bon, je vais faire comme ça. Est-ce que je recommande d'aller chercher ces donuts là-bas? Oui, pour la vibes. Et parce que de toute façon, il n'y a que ça à faire à Portland. Donc faites-la que 10 minutes, cherchez vos donuts. On se retrouve après à la laverie Apple Store. Pas sûr. Très très sûr. Allez, ciao. Bon bah c'est parti, on va laver les vêtements. Merci beaucoup Clara. Sachez que laver les vêtements, c'est l'activité qu'on a trouvé à faire aujourd'hui à Portland.
Incroyable. Mais c'est aussi mon top 3 activités des vacances. Ah ouais, mais elle prend un réel plaisir. Et là, moi, pour moi, c'est une activité obligatoire parce qu'il n'y a rien à faire. Donc là, Clara, clairement, je suis énervé, hein, parce que déjà, je viens de voir le prix, combien ça coûte. En 3 mois, t'as payé une machine. Mais qu'est-ce qu'il t'a ? Ah, je sais, je crois qu'il t'a. Donc clairement, Clara, elle se dit, non, tu sais quoi, pour que ça aille plus vite, je prends 2 machines. Oh, ça fait une semaine déjà, il n'y a pas suffisamment d'habits, mais bref, je la laisse dans son délire. C'est bon, là, Clara, tu kiffes, là, tu kiffes, hein, tu kiffes. Hein. Ça va être propre, j'adore. Et moi, ce que je vais faire en attendant, clairement, moi, j'ai décidé que je vais jouer à Pac-Man. Ça coûte 25 cents, on va se la faire à l'ancienne. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Si j'ai ramené un bouquin, au cas où, mais d'abord, on joue à Pac-Man. Tu peux avoir 1$? Bien sûr. J'ai l'impression de parler à Madara. Elle a oublié qu'il y a des gens à côté, on va se faire braquer. Et un gars qui vient de passer devant, j'ai grave le seum. Can I have 25 cents? Thank you. J'étais en train de dire à Clara, bon, finalement ça va être à l'abri, t'es là, tu lis ton bouquin, ça passe. Et Clara, elle se cache contente, elle fait, oh, ça va, t'aimes bien l'activité. On a demandé à quelqu'un où manger et elle nous a dit d'aller manger là-bas et c'est dans une église. On a dit dans l'église et elle a dit ouais, mais en mode elle croyait trop qu'elle nous avait offensé. On était en mode, eh, vas-y, on va manger partout. À tout à l'heure. Ah, et ça, c'est le premier livre que j'ai lu. C'est ça qui m'a donné envie de lire tous les livres que j'ai lus depuis. Donc Marc Lévy, certains diront que c'est pas un grand auteur. Moi je trouve qu'il est très bien, laissez-le tranquille. Je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent, c'est parti de la même team. Je viens clairement de faire tomber mon fun, j'ai trop le seum. En peine de car, bitch. Ok, cette meuf c'est vraiment double personnalité. Voilà. Clara, peux-tu dire où on va manger? On va manger just behind me. J'espère que Dieu ne va pas trop saler les prix. Oh les gars, faut que je vous montre l'endroit où on mange. Je vous ai dit que c'est dans une église. En plus c'est stylé, ils l'ont grave bien refait, hein. Bon, on est d'accord, niveau bruit c'est carnage. Je vous fais l'entrée, hein. Amazing grace, how sweet the sound that